Et bonjour à tous, hop là, nous nous retrouvons pour un nouveau jeu. Monopoly. Vous connaissez toujours tous les Monopoly, donc ok, il n'est pas optimisé pour iPhone 5, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas optimisé, mais il n'est pas optimisé du tout. Donc hop là, je me suis trompé, hop, voilà, précédent. Donc voilà, alors le jeu. Hop là, je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir la chose. Alors, on a le jeu Monopoly Monde de moi j'ai. Ce jeu était gratuit, je tiens à le préciser, parce que je n'achète pas ce genre de jeu. Donc voilà. Alors, il y a jouer sans fil, jeu sans fil, excusez-moi, plus de jeux EA, option aide info statistique. Donc, nous, on va faire jouer. Donc, il y a nouvelle partie, reprendre partie, charger partie précédente. Donc, nous, on n'a pas encore joué, donc ça fait ça. Humain. Oui, on va être deux joueurs, oui, allez, c'est bon, ça me paraît bien tout ça. Donc voilà. Le Monopoly. C'est un jeu, je pense, plus familial que perso. En famille, vous jouez tranquillou, je crois qu'on peut jouer à plusieurs en plus, donc bon, voilà. Donc on commence, on est juste là, hop là. Donc le petit bonhomme nous explique un peu comment est-ce que ça marche. Donc voilà, comment est-ce qu'il faut qu'on fasse pour acheter les maisons, les machins, les choses. Donc c'est plutôt pas mal tout ça, dis donc. Donc voilà. C'est un jeu que je tiens à vous le dire, je n'ai pas encore trouvé la solution pour y jouer. C'est un jeu que je ne sais pas comment y jouer. J'ai jamais joué à Monopoly, je tiens à vous le dire. C'est un jeu que je n'ai jamais pensé à jouer. Donc voilà, en fait, tout simplement, on va lancer les dés. Donc voilà, on a lancé les dés. Vous avez vu, il y a marqué secouer, donc faut secouer, tout simplement. Après, les graphismes du jeu, je dois avouer qu'ils sont plutôt pas mal, en fait, hein. Je dois avouer que bon. Il y a des beaux graphismes, vous avez vu, on peut acheter les trucs. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc ça sert à rien d'acheter, en fait. Donc voilà. Hop là. Donc on jette les dés. Donc je pense que c'est cool d'avoir des choses comme ça, ce genre de jeu, du moins. Je pense que c'est cool parce que justement, ça nous permet de voir un peu les nouvelles choses et tout, en sachant que c'est monde, donc on achète des villes. Si on n'a pas beaucoup de sous, et ben on n'achète pas de villes, vous voyez. Voilà. Si on n'a pas de sous, on n'achète pas de villes, malheureusement. Donc il vaut mieux avoir des sous pour acheter une ville, quoi. Donc là. Donc voilà. Le menu. Hop là, ça commence comme ça. Reprendre partie, option, aide, réglage, info, sauve et quitter. Donc nous on va faire sauve et quitter, oui. Donc voilà, le jeu en lui-même est plutôt cool. Bon, il n'est pas optimisé pour iPhone 5, ça c'est bien dommage d'ailleurs, je le redis. Je le conseille pour les enfants du moins. Peut-être pas le monde, peut-être l'autre, parce que le monde il faut acheter des villes donc ça reste d'être un peu chiant. Mais peut-être l'autre, je le reconseille pour les gens, pour les enfants, etc. Moi je vous dis à très vite, c'était TheRiderClan pour la chaîne YouTube, pour le blog. Je vous encourage bien sûr à partager comme d'habitude, à aimer, à laisser des commentaires si vous avez envie, et bien sûr à aller voir les autres vidéos. Et n'oubliez pas, il y a le Twitter et le blog qui sont encore actifs. Moi je fais pas plus long et je vous dis à très vite. Ciao ciao!